Au retour, avec donne quoi une salade de viande, t'aurais pu. Et on l'amène. Allez, il y en a qui. Le goût là. Allez, là. Allez, man. Aïe, 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 ça y est, t'es collé. Donc à partir de là, on peut commencer à assembler. C'est bon? Alors, par quoi on commence? Par les murs. Bah non, je suis au bord, c'est bizarre. Alors c'est pas le bon. Bah non. Et on n'en trouvera pas. Il n'y a pas des rallonges. Et tu vois, c'est ce que j'avais. Le KKHL, là, voilà pourquoi. Ça, c'est en bas, là. Merci, c'est en train de faire. Tanguy. Pourquoi tu ne comptes pas sur le côté, comme ça? Dans le même sens que moi. Seul, on déballe. Avance encore, avance. Donc là, ils vont le lever. Une fois qu'on l'a levé à quelques centimètres, tu vois, un peu d'autre, on le bascule. Donc il faudra qu'il le réceptionne. Donc Tanguy, tu réceptionneras, je vais le mettre là-bas, moi. Lève. On recule un peu. On recule un peu. Vous pouvez commencer à lever. Au bout des bras. S'il en prend un quatrième là-bas. Encore. On bascule. Ça bascule. Tiens, mets ça en dessous. Attends. Vas-y, on peut poser. Sur le coin. On va charger la perche. On peut les placer. Il n'y a pas de paroi, on va lever. Une fois que c'est là, tu mets un serveur. C'est un peu longtemps, c'est un peu. Il a dit, je crois qu'il parle doucement, Mathieu. Ça veut dire qu'on va terminer. Il y a 20 ans, le sénateur, il y a les deux. Mais il n'y a pas. Et après, on met les boulons. C'est comme ça que tu pars. Tiens, ça suffit. Voilà. Pour ensuite monter les deux pour mettre celui en dessous, soit on monte celui-là directement, on le met au-dessus et après on montera celui-là, mais il faudra monter plus haut. Non, bah on va faire aussi. C'est bon, plaisir à vous. Là, les mousses, ça sert quoi, ça. Ok, pour le 1. On va les mettre, là, faire un genre. Ouais. On commence 6-6, non? C'est bon. Il y en a deux qui le prennent, qui le mettent en position et un autre qui glisse. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Attends. Non, mais là, pas possible. On le pose et on le fixe. On peut commencer à poser. On peut commencer à poser. Tu veux que je sache un petit côté ou un petit côté? On va le faire ici. Attends. Hop, hop. Vas-y, c'est bon, attends, la tombe d'abord. Et sécurisé. Ouais. Par contre, il faut le laisser en tension. Il n'y a pas de risque qu'il bascule là? Non, il est en tension. Il y a. Je vais en blanche de cire. Attends, je vais pas parler. Je vais pas parler.
Ben, c'est un défi parce qu'en fait, il faut gérer les trois situations. Il faut gérer les commandes, il faut gérer la fabrication d'un atelier qui nous a pris 2 mois, et puis il faut gérer le chantier. Donc en fait, dans les connaissances et toute la procédure que les élèves ont, eh ben, ils apprennent justement de la commande, à la fabrication, à la pose. Donc c'est vraiment une étape primordiale pour eux, pour qu'ils puissent comprendre tous les aléas du chantier. Oh là là, putain, toutes les dernières minutes. Si la verrière, elle est grise, grise souris, on va faire pareil, je pense qu'on va la voir. On est bon. Vous pouvez mettre les serre-joints là, c'est bon. Moi c'est bon, c'est bon. Remets-en dans l'angle. Celui-là, c'est ce qu'on peut faire. Baptiste, là, tu es nickel. C'est bon, c'est mouillé. Non, tu veux pas faire ça, Guillaume ? Si. Bah oui, mais il manque quelqu'un de l'autre côté, du coup. Hugo va de l'autre côté, putain. Levez là. Doucement. C'est là où ils sont le plus, mais il y a la peu plus. Doucement. On va doucement. Attention au tapis. On va essayer de bien mettre. Ok, pas toucher au sol. Non, avec ça, ils verront pas du tout. Comme ça. Bon, le gars, tu l'arraches pas là. Parce que là, il est sorti. Non, il est bon. Non, mais celui-là, en fait, celui-là, il est un peu plus haut que lui. Non, mais il est pas ça. Allez, Pico, c'est ça. On peut lever. Ouais. Attention. On se fait. Ah, il faut pas marcher sur le balcon. Hein. On y va. Bon. Regardez les trucs. Ouais, regarde. Ça galère. C'est bon là, c'est bon. Stop. Avancez, stop. Ouais, bah oui. Mais... Moi c'est bon. Ah ouais, non. Là, ça apporte une image, en fait, de eux, ils sont fiers, et une image aussi du lycée, et puis des projets qu'on peut mener à terme, justement, en faisant participer les élèves de tout niveau. CAP, bac 3 ans, voilà. C'est, en fait, pour eux, ça leur amène de l'expérience.